Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui, c'est l'épisode 133, cadre à t-shirt, et on va recycler un t-shirt pour faire un cadre trop beau pour la déco. Si comme moi, une espèce de malédiction atteint vos t-shirts, ils rétrécissent magiquement au lavage. Non, c'est pas mon ventre qui grossit, c'est pas vrai. Si comme moi, vous avez plein de t-shirts qui rétrécissent, on va faire ensemble un moyen sympa de recycler vos t-shirts et de pouvoir les afficher fièrement sur vos murs et vous en servir comme décoration génialissime. Pour ça, pas besoin d'outils complètement extravagants. Une scie, un peu de bois, des vis, de la colle, une agrafeuse, des ciseaux et c'est parti. Ben c'est parti. Pour transformer votre t-shirt pour maigrichon en cadre trop classe, vous allez avoir besoin de un t-shirt, une baguette de bois, peu importe l'épaisseur, une boîte à onglets, une scie à main, de la colle à bois, un peu de scotch de masquage, une agrafeuse et des agrafes, 4 vis, une éponge abrasive, un forêt, une visseuse, un mètre, une perceuse, des ciseaux, une courroie à cliquet et des pinces. Pour ce cadre, j'ai décidé de le faire de 30 cm par 20. Je commence donc par mesurer 30 cm. Je positionne la baguette de bois que j'ai doublée, ce qui permet de couper les deux en une seule fois, dans la boîte à onglets. Et je découpe la baguette. J'en profite aussi pour faire plein de bordel sur mon plan de travail, évidemment. Je vérifie ma coupe et c'est nickel. Et je mesure 20 cm pour faire ma deuxième coupe à 45 degrés. Que j'effectue avec brio, bien évidemment, comme la première. Le découpage est fini, on va donc pouvoir nettoyer un peu toute cette sueur sur le plan de travail et pouvoir ranger les boîtes à onglets et scie pour ce projet. Mes quatre éléments sont donc découpés et vont former un rectangle comme ceci. Je les scotche les uns aux autres. Puis j'applique la colle. C'est une colle à bois intérieure, prise rapide. J'ai environ 5 minutes pour mettre en serre et 15 minutes d'attente au total avant de pouvoir y retoucher. Je finis donc mon assemblage et vais me préparer à mettre le tout en serre. Pour cela, je vais utiliser une courroie à cliquet, utilisée le plus souvent pour sécuriser les trucs lors de transport en véhicule. Ces courroies sont juste super pratiques. Quand on les met dans le bon sens, je m'assure que le tout est bien placé et je serre mon cadre sans jouer complètement au bourrin. Au bout de 15 minutes, je peux enlever mes pinces et ma courroie. Je vais rajouter 4 vis pour être vraiment sûr que mon cadre ne bougera pas, même si les contraintes sur ce cadre sont faibles, on n'est jamais trop prudent. Je vais donc prépercer 4 trous pour éviter que le bois ne se fende. Et insérer dans le bois mes 4 vis avec ma visseuse. A l'aide de mon éponge abrasive, je vais légèrement poncer mon cadre afin d'éliminer les éventuelles échardes. Et surtout, enlever les angles trop durs. On fait dans l'efficace, pas dans l'esthétique, ici. Maintenant que mon cadre est prêt, je vais pouvoir le placer dans mon t-shirt et positionner le logo du t-shirt à l'emplacement voulu. J'utilise mes pinces pour le maintenir en place. Je retourne mon cadre et place 4 agrafes pour fixer temporairement mon t-shirt au cadre.
et découpe un peu comme un barbare le surplus de tissu qui m'empêche de travailler correctement. Je commence donc à tirer doucement sur le tissu et à placer quelques agrafes réparties ici et là pour fixer correctement le t-shirt sur mon cadre. Je coupe l'excédent de tissu, à moi les super coolos chiffons orange qui font super mal aux yeux. Et je finis d'agrafer tout autour du cadre. Et voilà, votre cadre à t-shirt est fini. Ça vous a pris environ une petite demi-heure, grand max, pour un résultat démentiel. Voilà, alors, est-ce que c'était compliqué? Ben non, regardez ce résultat. Ouh, comment c'est trop beau. C'est du gros win. Ben, c'est relativement simple. Comme vous avez vu, c'est des outils vraiment de base. J'aurais préféré, bien sûr, le faire avec ma scie à onglet dans mon ancienne grotte. Mais mon ancienne grotte, elle n'existe plus. C'est juste cette petite table qui est là. Donc, on s'adapte et on fait quand même des trucs cool. Moi, je trouve ça marrant de recycler mes vieux t-shirts qui sont soit trop courts, soit un peu pourris, en éléments de décoration. Parce que j'ai dit t-shirt trop bien. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter, partager avec tous les réseaux sociaux la vidéo. Et si c'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne. Non mais quoi? C'est pas encore fait? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce... Non, tu t'abonnes immédiatement, espèce de vilain, va. Vous pouvez aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs qui nous filent un peu de thunes tous les mois et qui en échange reçoivent ces merveilleux épisodes 4 jours avant tout le monde. Quoi? 4 jours? Oh! Mais c'est génial! Ou pas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous êtes un spécialiste de la menuiserie, à critiquer largement tout ce que je viens de faire. Si vous êtes aussi un spécialiste de la décoration, n'hésitez pas non plus à me dire ce que j'ai mal fait, et je suis sûr qu'il y a plein de trucs que j'ai mal fait. Ben voilà, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine fois, que la barbitude soit avec vous, et à bientôt.